Bon, ça y est, je suis arrivé en snee. Et pour l'instant, il fait un temps catastrophique, il pleut de fou. J'ai mis la tenue, ça fait bizarre. Hein. Ça fait 15 ans, j'avais pas mis d'autres tenues que Saint-Brévin, donc c'est très particulier. Pour ce qu'il en est de la course, c'est très 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 boueux. J'ai pas des pneus debout, donc autant dire que pour moi, c'est une patinoire. Ça va être difficile de rester sur le vélo. Je promets pas, mais je pense que je vous fais un plat ventre dans le premier tour. Et je vais essayer de faire au mieux pour aller chercher la meilleure place possible. Il est maintenant temps de rejoindre la ligne de départ pour mon premier départ de cyclocross après 2 ans sans cyclocross. Effectivement, l'année dernière, j'ai pas pu faire de cyclocross. Donc autant dire que là, j'étais plutôt stressé sur la ligne de départ parce qu'un départ en cyclocross, c'est quand même hyper important. Le placement dès le premier 100 mètres peut jouer énormément sur la suite de la course. C'est pour ça que sur cette ligne, le cœur, il est déjà à 150 BPM. Je vous laisse avec le start. On est prêt à en découvrir ici maintenant. Attention, le départ est imminent. Et comme vous l'avez vu, ils sont partis une seconde avant le départ. Du coup, j'étais un peu surpris et je suis parti complètement en arrière. Donc d'habitude, je suis plutôt un gars qui part très très bien sur les départs. Là, je pars en 9e position, vu qu'ils sont partis tous avant le départ. Bon bref, c'est pas très grave, vu que ça va pas changer grand-chose à ma course. Mais sur le principe, j'ai été un peu surpris que ça parte plus tôt que le coup de sifflet. Là, du coup, la première mission, ça va être de réussir à trouver une place qui me correspond. Parce que eux, ça fait quasiment 2 mois qu'ils ont commencé les cyclocross, autant dire qu'ils sont très très chauds, et qu'ils sont du coup, par conséquent, forts, ils savent quelle place ils ont, ils savent gérer leur effort. Moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de cyclocross, même si je me suis entraîné voilà, dans mon coin, eh bien, un cyclocross de 50 minutes, c'est quand même un effort très particulier, avec une moyenne souvent au-dessus de 185. Donc ça va faire mal, je le sais, maintenant il va falloir que je m'accroche et que je fasse pas les mêmes erreurs que les années précédentes, c'est-à-dire partir trop fort et exploser et complètement être en déperdition sur la fin du cyclocross. Donc c'est pour ça que sur ce cyclocross, je vais vachement me concentrer là-dessus. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, ça glisse beaucoup. Déjà une chute juste devant moi, ça me fait une petite piqûre de rappel parce que de toute manière, à l'échauffement, je l'avais bien vu, il y a énormément de boue, ça glisse beaucoup. Et comme je vous l'ai dit au début, j'ai des pneus qui sont pas prévus pour la boue particulièrement, ce qui fait que dès que c'est boueux, pour moi, c'est une véritable patinoire et vous allez vite vous en rendre compte. Donc, sur ce début de circuit, pour l'instant, c'est très roulant, donc ça se passe plutôt bien pour moi. Je laisse passer les coureurs qui essayent de me doubler, tout simplement parce que sur ce départ, je le sais très bien, je ne suis pas forcément à la position qui me correspond. En cyclocross, c'est pas comme en route où c'est un côté stratégique. Là, chacun a plus ou moins sa position en fonction de son niveau technique et physique. Et comme vous pouvez le voir, de toute manière, bah, j'ai pas trop le choix. Quand les coureurs essayent de passer, même si des fois j'arrive à défendre ma position, en général je laisse passer pour pas trop les gêner, ça sert à rien, surtout en début de course comme ça. Au départ on était environ 65, comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire au moins un top 30 symboliquement, histoire de me mettre un objectif, parce que j'ai aucune idée de mon niveau. Et comme vous pouvez voir déjà, dès le début de ce cyclocross, ma stratégie à moi, c'est d'essayer de tout le temps rouler sur les parties vertes du circuit, c'est-à-dire les parties les moins boueuses. Tout simplement parce que je le sais, dès que c'est boueux, c'est catastrophique, je glisse beaucoup trop, j'ai pas les pneus adaptés. Finalement, j'ai pas choisi les bons pneus, c'est clairement ma faute, mais n'ayant pas d'autres pneus, bah à un moment, t'as pas le choix. Là, c'est assez intéressant avec le point de vue extérieur, on peut voir que le premier, il a déjà énormément d'avance sur les deux troisièmes, et en plus de ça, il a déjà plus de 23 secondes sur moi. Et regardez, il y a une chute au fond. On va en voir une deuxième juste ensuite, ça glisse vraiment beaucoup, on roule sur des œufs et je suis très concentré là-dessus en fait pour pas partir à la faute, ce serait le pire truc qui pourrait arriver pour perdre du temps. Donc là j'ai déjà 23 secondes de retard sur le premier, de toute manière le premier, les 10 premiers sont intouchables hein. Pour moi. L'objectif ici ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible. L'année dernière on était une trentaine au départ, on était beaucoup moins nombreux et j'avais fait a priori 22e il me semble. J'espère pouvoir viser une place dans le top 30. Et ici, on arrive dans une partie qui est vraiment très boueuse. Et je vous laisse apprécier les images. Effectivement, je suis parti de l'avant. Ma roue s'est complètement glissée. Voilà, j'ai rien pu faire. J'ai pas particulièrement freiné. Juste, mes pneus glissent. Et bah voilà, la piqûre de rappel est bel et bien présente. Il faut vraiment que je fasse très attention dès que c'est un tout petit peu boueux parce que je glisse et j'ai pas vraiment de grip, donc je dois être extrêmement concentré là-dessus. J'ai perdu 6 positions sur cette chute, donc c'est un peu frustrant, mais bon, c'est le jeu, on est en cyclocross, c'est comme ça que ça se passe, et de toute manière bah on n'y peut rien, faut rester concentré, pas paniquer, et comme vous l'avez vu, je ne panique pas, on repart tranquillement, j'ai pas abîmé le vélo, je me suis pas fait mal, c'est le plus important. Et maintenant on est en 21e position, il va falloir commencer à défendre les positions et pas se laisser faire parce que sinon évidemment on va reculer constamment. Doucement on arrive sur le parti passage des planches, donc ça c'est un peu un truc très symbolique dans le cyclocross, il y a ça à peu près partout.
partout. C'est le passage des planches. On enchaîne ensuite avec le potentiel changement de vélo, comme mon coureur qui est juste devant. Lui, il va changer de vélo. Alors, je ne sais pas pourquoi il change de vélo dès le premier tour. Il a peut-être abîmé quelque chose sur son vélo. Moi, en tout cas, j'en ai pas besoin pour le moment. Mais le changement, il est là. Et ensuite, on enchaîne. Moi, je suis en totale glissade dès qu'il y a des virages boueux. Donc, ce que j'ai adopté comme stratégie, finalement, c'est que dès que c'est boueux, j'y vais, entre guillemets, doucement. Par contre, à contrario, dès que c'est un peu moins boueux ou des grandes lignes droites, je mets beaucoup plus de force. En fait, je vais faire des intensités 30-30 quasiment. C'est-à-dire que dans chaque virage, je récupère. De toute façon, ça sert à rien que j'aille plus vite. Mon vélo, mes roues ne me permettent pas d'aller plus vite de toute manière. Donc, dans les virages, je relâche un peu, je récupère. Et dès qu'il y a des bouts droits, comme ici par exemple, ça y est, j'envoie des watts et je reprends du temps en fait sur ce que j'ai perdu dans les virages. Et vous allez voir que ça se ressent plutôt bien, même à l'image, parce que dès que c'est des grands bouts droits, regardez, je reviens sur les coureurs qui m'ont distancé auparavant dans les parties techniques. Donc en fait, je suis obligé de compenser à travers de la puissance ma non-technique dans les parties glissantes. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si jamais tu fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et quand je vous dis que je glisse, c'est assez impressionnant, même à l'image, regardez comment je pars constamment en drift, et ici particulièrement, regardez, je perds totalement le vélo à chaque fois que ça glisse un peu trop, donc faut vraiment que je reste hyper concentré sur un effort qui est vraiment physique. C'est assez difficile en fait de tout le temps rester vigilant comme ça, et il faut vraiment que derrière je réussisse à compenser, comme ici par exemple dans les grandes lignes droites, pour pas perdre trop de temps, parce que sinon en fait je peux pas rouler à 100% comme je l'aimerais. Donc vraiment je vais la jouer intensité 30-30, c'est-à-dire vraiment dès qu'il y a des virages qui arrivent bientôt, comme ici par exemple, je ralentis déjà en amont parce que je sais que de toute façon dans le virage je vais devoir freiner, donc je ralentis en amont pour pas avoir besoin de freiner et donc pas perdre d'énergie, et derrière je suis prêt à faire des grosses relances. Ici on a un gigamur qu'il fallait passer à pied, et là il faisait particulièrement mal hein, parce que même à pied c'était difficile, ça glissait et finalement bah c'était pas si facile que ça. On enchaîne avec une super descente qui enchaînait avec une grande ligne droite, et encore une fois là directement j'enclenche le moteur, je mets un maximum de watts et j'essaye de récupérer un maximum de temps sur mes adversaires. Vraiment ça va être comme ça pendant toute ma course, et pour le coup je me sens vraiment bien, j'ai une impression de puissance qui est plutôt positive, je me sens vraiment en forme, j'ai de la force, je roule plutôt vite dès que c'est roulant. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et si on veut analyser un petit peu du coup les parties roulantes vs les parties techniques, regardez le coureur devant moi. Il est quand même assez loin ici. On est ici dans une partie qui est donc roulante. J'envoie des watts, d'ailleurs on le voit directement au cœur, lui il monte très haut. Et dès que ça roule vite, bah je reviens sur mes adversaires. Donc là on va attaquer une partie qui est très technique, une partie où j'étais carrément plus lent que mes adversaires, c'était une des parties je pense où j'étais le plus lent sur ce circuit, donc une partie très boueuse. Regardez, je suis revenu au contact de mon adversaire à l'entrée de cette partie boueuse, et regardez maintenant le retard que j'ai à la sortie de cette partie boueuse, c'est impressionnant le temps que je perds dès que c'est boueux. Alors, ça peut s'expliquer d'une part parce que j'ai pas les pneus adaptés, mais d'une seconde part parce que eux, ça fait 2 mois qu'ils font des cyclocross tous les week-ends, sans parler de tous les entraînements qui vont avec. Moi, je me suis entraîné un petit peu, mais j'ai pas particulièrement, bah voilà, j'ai pas fait de course tout simplement, c'est complètement différent. Les circuits sont quand même vachement différents quand tu t'entraînes en course comme ça. Donc, les mecs sont vachement plus rodés que moi et ils ont pris leurs automatismes que je n'ai plus du tout. Hein, moi, j'ai du mal à me pousser à la faute, à prendre des risques, alors que eux, bon, ils ont pris les habitudes en fait. Donc finalement, en commençant la saison 2 mois après tout le monde, j'ai beaucoup de retard sur mes adversaires et ça se ressent vraiment sur ce premier cyclocross que je participe. Et du coup, on arrive doucement à la partie où je suis tombé. Et là, du coup, je vais faire différent. Regardez, je prends l'extérieur du virage qui est moins boueux parce que regardez, c'est vert, c'est de l'herbe. Et du coup, j'ai beaucoup plus de grip. Ça se passe beaucoup mieux pour moi. Déjà, je tombe bas et ça me permet comme ça de reprendre un peu confiance. Parce que je vous avoue que quand je suis arrivé dans ce virage-là après le tour précédent, j'étais pas le plus serein. Ici, pareil, sur les bosses, je sais qu'il faut passer plutôt sur la gauche parce que sur la droite, il y a des ornières qui peuvent pousser à la faute. Donc voilà, au fur et à mesure, je continue d'apprendre le circuit. Comme ça, on peaufine les trajectoires et au fur et à mesure de la course, vous allez voir, je vais de plus
plus en plus rapide quand même sur mes passages. Parlant de temps de passage, il faut savoir que sur le premier tour, j'ai mis 7 minutes 31. Pour le coup, ce sera mon meilleur tour, malgré la chute, forcément, avec le départ de la course et tout, on allait beaucoup plus vite, on est frais, on est en forme. Ensuite, sur le deuxième, j'ai mis 7 minutes 41, c'est-à-dire 10 secondes de plus. Et sur le troisième, vous allez voir, celui que je vais entamer maintenant, je vais mettre encore 10 secondes de plus, c'est-à-dire 7 minutes 53, jusqu'à atteindre mon rythme de croisière autour des 8 minutes par tour. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'en 2022, il y a 2 ans, le circuit était sec. Il était quasiment le même, à quelques virages près, et on mettait 6 minutes 30, c'est-à-dire 1 minute de moins que mon meilleur tour. Et le pire tour que j'avais fait en 2022, j'avais mis 7 minutes 15, c'est-à-dire 15 secondes de mieux que le meilleur de cette année. Ce qui prouve particulièrement que quand le circuit est pas boueux, il est vachement roulant et on va vachement plus vite. Donc c'était juste pour vous donner une image. Là, je mets quasiment 1 minute 30 de plus par tour que mes temps de passage en 2022. Et vu que dans les lignes droites, je me bats pour récupérer des positions comme ici par exemple, j'arrive tellement vite à la sortie du virage, regardez ici, que je me fais emporter par le virage et j'ai quasi failli sortir du circuit. Bon, ça s'est plutôt bien passé sur ce coup-ci, mais vous verrez qu'au tour suivant, je serai vachement plus vigilant sur ce virage-là. Dans la catégorie passage technique, cette petite côte en caméra ne paye pas de mine, mais elle était hyper technique et difficile parce que ça glissait beaucoup, elle était très pentue et c'était assez difficile. J'ai réussi à la passer à tous les tours. Bon, c'était plutôt de la chance, je pense, parce que à chaque fois je me suis fait peur, je glissais, ça demandait beaucoup de force en fait, mais beaucoup de technique en fait, savoir placer ses roues au bon endroit, c'est clairement du pilotage du cyclocross. Nous revoilà dans ce troisième tour à l'endroit où je suis tombé au premier, et regardez derrière moi ce qui va se passer, un coureur va vouloir me prendre l'intérieur, et paf, il fait exactement la même erreur que j'ai fait moi au premier tour, il glisse de l'avant. Pour le coup, j'étais pas surpris et ça m'a même un peu rassuré en me disant « ça va, je suis pas le seul à glisser ». En cyclocross, vis-à-vis de la route, il y a une particularité, c'est qu'on a le droit de changer de vélo. Et regardez le coureur devant moi, il va changer de vélo ici, tout simplement parce qu'il a trop de boue. Je vous explique ça juste après. Et regardez, il va faire une erreur, c'est-à-dire qu'il fait tomber son vélo, qui bloque le vélo qu'il veut prendre. Du coup, je vais lui récupérer sa position. Et c'est un coureur qui est assez intéressant à analyser parce que vous allez le voir, on va faire la guerre toute la course. Ici, il a perdu, allez, 5-6 secondes dû à un mauvais changement de vélo. Vous verrez tout à l'heure que je vais changer de vélo aussi, je vais m'en sortir beaucoup mieux. Mais vous étiez nombreux à me demander sur Instagram pourquoi on change de vélo en cyclocross. Alors il y a deux possibilités. Première possibilité, on est tombé, on a cassé quelque chose, on a besoin de changer de vélo, notre vélo ne roule plus. Et alors on change de vélo, comme ça on a le droit d'avoir 2-3 vélos, on fait ce qu'on veut. Et on a le droit uniquement dans le stand de changement de vélo, sachant qu'il est accessible 2 fois par tour, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre du circuit. Donc c'est un truc qu'on peut prendre en compte, en cas de problème, on change de vélo. Deuxième possibilité, comme aujourd'hui, quand il y a beaucoup de boue, la boue s'accroche au vélo, et plus ça va, plus le vélo colle, et plus ça freine le vélo, c'est-à-dire que la boue se met dans les roues, dans les roulements, dans le pédalier, il y a de la boue partout finalement, et on roule de moins en moins vite, ça nous freine, ça demande plus de force en fait pour pédaler, et petit à petit, si on ne change pas de vélo, limite les roues ne tournent plus tellement la boue va tout coller. C'est pour ça que, quand tu as la possibilité d'avoir 2 vélos, tu changes entre guillemets régulièrement de vélo sur un circuit boueux comme ça, afin que ton mécano le lave, tu reprends ton vélo 1 au tour d'après, et comme ça ton vélo il est plus ou moins toujours propre, et du coup il est plus ou moins efficace tout au long de la course. Et c'est d'ailleurs ici au bout de 28 minutes que mon père va me dire « change de vélo maintenant !» Et là je vais lui dire « non, je change de vélo de l'autre côté !» Et là j'ai fait une erreur, je vous explique pourquoi. En fait, le vélo 2, c'est le vélo de ma copine, donc un vélo qui n'est pas forcément particulièrement à ma taille, donc je suis techniquement moins à l'aise dessus. J'ai moins roulé avec, je me sens moins rapide avec le vélo de ma copine. Donc cette partie-là, c'était une partie qui était beaucoup plus physique que technique. Donc ce que je voulais, c'était faire la partie physique avec mon vélo, et non changer de vélo comme mon père m'avait demandé, et après enchaîner avec le vélo de ma copine sur les parties techniques. De toute manière, je roule pas vite, donc autant faire les parties techniques avec le vélo de ma copine. En plus, je trouvais que ses pneus glissaient moins que les miens. Après tout ça, je me dis, je change pas de vélo de ce côté-là, je changerai de vélo de l'autre côté. Et regardez pourquoi j'ai fait une erreur. Tout simplement parce que quand tu changes de vélo de l'autre côté du circuit, c'est en plein milieu de cette longue ligne droite où on peut rouler à plus de 30 km/h. Et du coup, par conséquent, en changeant de vélo ici, comme ici par exemple, eh bien, je m'arrête en plein milieu de cette ligne droite dans laquelle je pourrais rouler super vite et dans laquelle je suis particulièrement efficace. Donc en fait, là, j'ai gâché une ligne droite quasiment complète, parce que le temps de repartir, de me remettre le truc et de reprendre un peu d'élan, j'ai quasiment gâché une ligne droite complète pour ce changement de vélo. C'est donc
un mauvais choix, je pense, même si effectivement les pneus sur ce vélo-là glissent moins et j'ai un meilleur avantage de le prendre, on va dire, dans la partie technique de ce côté-là du tour. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est faire un tour complet avec le vélo de Noémie en changeant de vélo de l'autre côté et le rendre au même endroit, tout simplement. En fait, il n'aurait pas fallu changer de vélo dans cette longue ligne droite parce que c'était un vrai perte de temps. Et là, clairement, c'était une erreur. Donc la prochaine fois que je fais un cyclocross, eh bien, j'analyserai mieux les stands de changement de vélo afin de faire un meilleur choix. Et parce que une fois en course, en fait, t'as plus la jugeote de réfléchir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut repérer à l'échauffement. Là, on est à plus de 190 BPM depuis le départ. On est à 33 minutes de course. Autant dire que là, j'ai plus trop la réflexion, en fait, j'ai pas le temps de réfléchir. Et vu qu'à l'échauffement, je m'étais dit, je change de vélo à tel endroit, bah, j'ai changé de vélo à tel endroit sans réfléchir, sans écouter mon père qui, du coup, avait raison, finalement. Donc, la prochaine fois, à l'échauffement, je ferai plus attention à ça. Et là, je sens vraiment la différence. Avec le vélo de Noémie, je suis vachement plus à l'aise. Je vais plus vite dans les parties techniques. Et d'ailleurs, regardez, derrière moi, il y a un gros peloton, il y a 5-6 coureurs. Et je me dis, faut vraiment pas que ces coureurs me rattrapent. Parce que s'ils me rattrapent, bah, je perds quasiment 6 positions d'un coup, ce qui serait une catastrophe. En plus, je sais pas encore à ce moment-là, mais je suis 28e. Mon objectif, c'est de rentrer dans le top 30. Si ces coureurs-là me doublent, je sors totalement du top 30. Ça serait donc une déception pour moi. Sauf que sur ce demi-tour, avec le vélo de Noémie et ses pneus qui sont un peu plus adaptés à la boue, eh bien, je suis vachement plus efficace qu'avec mon vélo dans les parties boueuses. Et finalement, là où le gros peloton était juste derrière moi, en l'espace de quelques minutes seulement, j'ai pris énormément d'avance sur ces 6 coureurs. Donc c'est super cool, ça va me permettre d'être un peu plus en sécurité, un peu moins de pression, parce que quand t'as un coureur derrière toi qui te pousse comme ça à la faute, bah tu vas plus facilement tomber, plus facilement faire des erreurs. Donc plus j'ai d'avance sur mes adversaires, plus je suis serein et plus je peux m'appliquer sur mes efforts. Et en parlant de ça, ça y est, on arrive au stand de changement de vélo. Il est temps de rendre le vélo de Noémie et de reprendre le mien qui a été lavé au préalable par mon père. Comme ça, il est comme neuf, il roule à fond. Je change de vélo. En vrai, le changement de vélo, plutôt clean. Pas peu fier de ce changement de vélo après 2 ans sans en avoir fait. Je trouve que j'ai été efficace. J'ai pas perdu une seule seconde sur mon adversaire qui est derrière moi ici. Et je pense que du coup, bah j'ai... Voilà. Je pense que je peux progresser un tout petit peu en courant un tout petit peu moins. Parce que le fait de courir comme ça, ça fait monter le cœur. Mais pour le coup, c'est quand même un bon changement de vélo. J'ai pas perdu une seule seconde. Donc c'était idéal. Là, ça va être marrant. Regardez. On va analyser dans un passage technique du parcours la différence entre moi et le gars qui va terminer deuxième de ce cyclocross. C'est assez impressionnant, vous allez voir. On arrive donc dans ce virage ici. Simon passe donc à ce virage-là au même moment que moi. Déjà, on voit la différence de pédalage entre lui et moi, et surtout la différence d'aisance entre nous deux, et surtout aussi l'avance qu'il me met en l'espace de seulement quelques mètres. Lui, il est déjà en bas de cette côte que bah, je ne suis même pas encore descendu du vélo. Il est en haut, je suis en bas. En fait, là, en l'espace de quelques mètres, il me met déjà 10-15 secondes d'avance. C'est impressionnant. Alors, imaginez ça reporté sur une heure de course. Eh bien, forcément, il termine avec beaucoup d'avance sur moi. Maintenant que j'ai mon vélo, il reste très peu de temps de course à parcourir. On est déjà à 44 minutes d'effort. Ma course va durer 58 minutes. Pour être sincère, normalement c'est 50 minutes, un cyclocross en amateur, ça durera 58, le temps de finir le tour. On est à 44 ici, donc il reste 14 minutes à parcourir. Et regardez derrière moi, les adversaires sont de plus en plus loin, je ne les vois plus pour être sincère. Donc ça veut dire que je suis de plus en plus efficace. Effectivement, il y a deux raisons pour ça. Première raison, plus ça va, plus je m'habitue au circuit, plus je prends des bons réflexes et en cyclocross en général. Et donc je suis plus à l'aise, plus rapide et plus habile. Deuxième raison, plus ça va, plus le terrain sèche. Effectivement, il a plu avant le départ, c'est pour ça qu'il y a énormément de boue sur ce circuit. Mais plus ça va, plus le terrain est tassé par le passage des vélos, plus ça sèche. Et finalement, moins ça glisse. Et moins ça glisse, plus je suis efficace de mon côté. Et par conséquent, je roule de plus en plus vite. Et la preuve en est, regardez, petit à petit, je reviens sur des coureurs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus de ça, ça va me motiver comme ça à me faire mal. Même si dès que ça roule en ligne droite, je me fais mal. Vraiment, j'ai réussi à garder cette constante. Regardez, je suis à plus de 190 ici. Je ne vais pas faiblir. Je vous affiche ici à l'écran la ligne de mon cœur. Enfin voilà, la courbe est nette. C'est une ligne droite. Je n'ai pas faibli une seule fois pendant le cyclocross. Je n'ai pas craqué. En fait, j'ai analysé la vidéo que j'avais réalisée du coup en 2021 et j'avais vu que sur les deux premiers tours, j'avais été efficace. Tout le milieu de course, j'avais été très très nul, très très lent. En fait, j'étais sorti de ma course et j'avais fini très très fort. Et je me suis dit cette année, c'est
impossible que je fasse ça. En fait, c'est du mental ici. Faut juste que je me déglingue du début à la fin. Et la seule condition, c'est de ne pas dépasser ma limite au départ pour ne pas exploser. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je suis parti fort, hein, à plus de 190 au cœur, mais je ne me suis pas mis minable dès le départ pour pouvoir garder comme ça un rythme constant tout au long de la course. Et je suis très content parce que j'ai particulièrement bien réussi, c'est-à-dire que je vais faire 187 de moyenne, ce qui est énorme, hein, pour moi qui n'avais pas fait de cyclocross depuis longtemps. 187 de moyenne sur 54 minutes, c'est beaucoup. Mais je n'ai jamais craqué, donc je suis particulièrement content de cet effort. J'ai réussi mon objectif, c'est-à-dire tenir mentalement pendant 100% de la course. Donc ça, c'est top. Maintenant, il va falloir reproduire ça sur les prochains cyclocross, et ce, avec de meilleures capacités. Au fur et à mesure, forcément, je vais m'adapter, je vais progresser, que ce soit physiquement ou techniquement. Ça y est, on passe sur la ligne. Il nous reste 2 tours à parcourir. Ça veut dire que c'est bientôt la fin, finalement. Donc il va falloir continuer de se mettre minable. Mais derrière, il se trame quelque chose. Effectivement, le premier est en train de me rattraper. D'ailleurs, ça y est, il me double. Donc bah, je le laisse passer, hein, évidemment. En plus, comme vous pouvez voir, c'est des coureurs de Saint-Brévin, donc des anciens équipiers avec qui j'avais l'habitude de courir jusqu'à maintenant. Et du coup, ils sont 1, 2, 3e. Ils font un trio. Mais le fait qu'ils me mettent un tour, ça signifie autre chose. Ça signifie que on m'enlève un tour. Donc, il ne reste plus 2 tours. Il reste 1 tour. Donc là, à la fin de ce tour-ci, ça sera l'arrivée pour moi. Donc, il faut vraiment que je me mette d'autant plus minable parce que voilà, là où je gérais un effort pour encore 2 tours, bah il reste allez, un demi-tour ici à parcourir. Donc un effort de 5-6 minutes maximum. Donc il faut que je me mette minable jusqu'à la fin. Parce que derrière moi, il y a le coureur de Saint-Sébastien qui est en train de faire le forcing. Il me rattrape et il me pousse un petit peu au cul. C'est-à-dire qu'il veut me battre, ça c'est clair et net. Depuis le début de la course, de toute façon, on se chamaille, on se double l'un l'autre constamment. Mais là, il me rattrape, ça faisait un moment qu'il ne m'avait pas rattrapé, il était vachement loin de moi à un moment là, il y a quelques minutes. Donc s'il me rattrape, ça veut dire que pour l'instant, il a un meilleur rythme que moi, donc faut pas que je me laisse faire. Et donc sur ce dernier tour, je vais adopter une nouvelle stratégie. Vu qu'il est derrière moi, et que dans les parties techniques, de toute façon, je suis pas efficace, eh bien je vais ralentir d'autant plus. C'est-à-dire que regardez, ici, je vais prendre mon temps dans la côte, parce que comme ça, mon cœur va redescendre, je vais récupérer en fait. Et ensuite, dans les parties roulantes, je vais mettre des grosses sacoches. Je vais mettre vraiment minable dans l'optique de le faire exploser, en fait, ou de le décourager. Donc, dès que c'est des lignes droites, je mets des sacoches, je me mets taquet. Et dès que c'est des parties techniques, s'il est derrière moi, je ralentis vraiment beaucoup. Parce que de toute manière, il ne peut pas me doubler, ça passe pas. Et de toute manière, comme ça, je récupère et je peux mettre une attaque encore plus forte dans la partie suivante. Ici, par exemple, on va attaquer l'escargot, un truc qui était vraiment technique, où on ne pouvait pas particulièrement doubler. Je vais le faire le moins rapidement que je l'ai fait de la course, je crois. Je vais vraiment prendre mon temps dans cet escargot, parce que je sais qu'après, il y a une grande partie roulante qui va demander des watts. Donc, je fais redescendre mon cœur, je récupère un maximum. Regardez, là, j'avance à rien dans cet escargot, mais de toute façon, il ne peut pas me doubler. Donc, je ralentis. Alors, regardez, mon cœur, il est en train de descendre, et là, bam, je vais accélérer et mettre tout ce qu'il me reste pour pouvoir le distancer finalement. Voilà, c'est une stratégie comme une autre. Alors certes, on se bat pour une 27e place ici, c'est anecdotique, mais symboliquement, je suis là à une course, j'ai pris le départ. L'objectif, c'est bel et bien de faire la meilleure place possible. Si c'est une 27e place, c'est une 27e place. Peu importe, c'est mon premier cyclocross. L'objectif, ce sera d'améliorer ce score sur le prochain. Mais ici, que ce soit ouais, pour un top 10 ou un top 30, on s'en fout, on se met minable. Je me bats avec les adversaires qui sont à mon niveau, c'est ça le plus important. Et je ne vais pas me laisser faire, je vais tout faire pour le battre. Et d'ailleurs, à quelques centaines de mètres de l'arrivée, je vais presque commettre une faute. Regardez ici, je vais avoir une petite glissade. Je vais même quasiment m'arrêter. Petite frayeur ici, parce qu'une chute là, pour le coup, lui aurait permis de me battre, clairement. Donc là, je monte cette côte. Et je sais très bien que maintenant, il reste 2 bouts droits. Normalement, ça devrait le faire, mais il va falloir quand même envoyer des watts. Donc, je suis déjà à 196 BPM avant même la ligne droite. Première ligne droite ici, je me mets minable. Là, je ne sais pas combien de watts j'ai. Malheureusement, je n'ai pas de capteur de puissance sur ce vélo. Mais regardez mon cœur, il monte quasiment à 200 pulsations. Je me mets minable. Clairement, je suis là pour le battre, ce coureur. Donc, je vais tout faire pour. On passe ce dernier virage. Et ça y est, on est dans la ligne droite de l'arrivée. Je me prépare à faire un sprint. Mais les 3 premiers... du coup de Saint-Brévin veulent fêter leur victoire, forcément c'est une belle victoire à 3, donc ils ralentissent, donc là on se fait tous un signe de la main, le coureur qui est devant moi, le coureur qui est derrière moi, pour se dire ok, on les laisse faire leurs photos, par contre on se double pas entre nous, hein, enfin juste symboliquement,
On se bat certes pour une place anecdotique, mais on va pas se doubler comme ça sur un sprint faussé. Ce qui a été du coup respecté par tous les trois. Je termine donc ce cyclocross en 27e position. Et on se félicite d'ailleurs avec le coureur de Saint-Sébastien parce qu'on s'est bien amusé toute la course. On aura vraiment passé pratiquement les trois quarts de la course à se doubler. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de cyclocross. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour améliorer la vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu, à commenter pour m'en donner votre avis. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.